Bonjour et bienvenue sur compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation. Et cette équation, elle est d'un type extrêmement classique. Et donc cet exercice est très formateur. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de résoudre tout seul cette équation et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première idée à avoir en tête, c'est que pour résoudre une équation, il y a deux techniques extrêmement classiques. Première technique, c'est d'essayer d'isoler l'inconnu. Donc ici, ça voudrait dire isoler le x. Et ça, ce n'est pas possible. Et si on développait, ben, ça serait encore plus compliqué, ça ferait apparaître des x au carré. Et donc, quand on ne peut pas isoler l'inconnu comme ici, il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, elle se fait en trois étapes. Première étape, on s'arrange pour avoir 0 à droite. Quand vous avez quelque chose comme ici de la forme a égale b, pour avoir 0 à droite, eh c'est tout simple. Ici, on va enlever b des deux côtés, c'est-à-dire qu'à gauche, on enlève b, donc ça me fait a moins b, et b moins b, ça nous fait 0. Donc ici, c'est bien de la forme a égale b, et donc comment on va l'écrire Eh bien, tout simplement, ça, moins. Ceci. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant on a bien 0 à droite. On a fini la première étape. Deuxième étape, il faut factoriser la partie gauche. Il faut factoriser maintenant ceci. Et voyez qu'ici on a une soustraction, qu'on a un premier bloc et un deuxième bloc. Et voyez que dans chaque bloc on a la même expression le 2x plus 5. Ça va être notre facteur commun. Ici pour factoriser la partie gauche, on va mettre 2x plus 5 en facteur. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise pour factoriser, commencez par souligner votre facteur commun, notre 2x plus 5. Il est bien commun puisqu'il est dans les deux blocs. Ensuite, vous écrivez votre facteur commun que vous avez souligné ici, devant. Et vous ouvrez un crochet. Et dans le crochet, vous mettez ce que vous n'avez pas encore pris. C'est-à-dire que vous mettez le 3 moins 2x tel quel, c'est-à-dire avec les parenthèses. 3 moins 2x moins. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore pris Eh bien notre 4x moins 5. Et j'insiste, on le prend tel quel, c'est-à-dire avec les parenthèses. Parce que si vous oubliez de mettre les parenthèses, eh bien vous risquez d'avoir une erreur de calcul. Et voilà, on ferme le crochet et on met que le tout est égal à 0. Donc voilà, on a factorisé, on n'a plus qu'à arranger à l'intérieur du crochet. Donc je remets mon facteur commun, 2x plus 5. Je remets mon crochet et maintenant j'enlève les parenthèses. Ici, devant cette parenthèse, il n'y a rien, donc je peux tout simplement l'enlever sans rien changer. Donc ça me fait 3 moins 2x. Maintenant, voyez l'intérêt d'avoir mis les parenthèses ici, parce qu'il y a un moins devant et le moins devant une parenthèse, il se distribue. Ça veut dire que quand on va enlever les parenthèses, eh bien, il faut multiplier par moins. Donc moins fois 4, ça me fait moins 4x et moins fois moins ça fait plus 5 et on ferme notre crochet et on met que le tout est égal à 0. Et si ici vous aviez oublié les parenthèses, regardez ce que vous auriez trouvé, vous auriez trouvé moins 4x, c'est la même chose que là, mais moins 5 au lieu du plus 5, donc surtout n'oubliez pas de mettre les parenthèses dans la première étape et seulement dans une deuxième étape enlever les parenthèses. Ensuite, on va arranger dans notre crochet et au passage, mettre un crochet ou des parenthèses, c'est exactement pareil, mais ici j'ai mis un crochet parce que sinon on aurait eu deux parenthèses qui se suivent et du coup on voit moins ce qui se passe. Donc maintenant, mon crochet, je vais le remplacer par une parenthèse et j'arrange. Ici, j'ai 3 et j'ai plus 5 et 3 plus 5, ça nous fait 8. Et ensuite, on enlève 2x et on enlève 4x. Donc au final, on a enlevé 6x. On ferme notre parenthèse et on met que le tout est égal à 0. Voilà, on a fini de factoriser la partie gauche, on a donc fini la deuxième étape. Maintenant, on passe à la troisième étape. Quand vous avez quelque chose de la forme a fois b égale 0, on applique la règle du produit nul, et ça signifie que le premier bloc est égal à 0 ou le deuxième bloc est égal à 0. C'est exactement ce qu'on a ici. Ça, c'est ce qui correspond à a. Il y a un multiplié qui est sous-entendu, et ça, c'est ce qui correspond à b. Donc maintenant, on applique la règle du produit nul, et donc ça nous donne le premier bloc qui est égal à 0, c'est-à-dire 2x plus 5 est égal à 0, ou c'est le deuxième bloc qui est égal à 0, c'est-à-dire 8 moins 6x est égal à 0. Et quel est l'intérêt d'avoir appliqué la règle du produit nul C'est que nous, on avait une grosse équation, et que cette grosse équation, grâce à la règle du produit nul, on l'a cassée en deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Mais attention, j'insiste, pour appliquer la règle du produit nul et casser notre équation en deux, eh bien, il faut avoir un produit égal à 0. C'est pour ça qu'on a la première étape pour avoir 0 à droite et la deuxième étape factorisée pour avoir un produit ici. Donc maintenant, on va résoudre ces deux équations séparément et pour résoudre la première, eh bien, on va tout simplement isoler x et donc se débarrasser du plus 5. Et pour cela, on va faire l'opération inverse d'un plus 5. On va enlever 5 des deux. Côté. Et donc, qu'est-ce qui va nous rester à gauche eh bien, Si je fais plus 5 moins 5, ça va faire 0. Il me reste à gauche 2x. Et à droite, 0 moins 5, ça nous fait moins 5. Et ensuite, pour isoler mon x, il faut réaliser que quand on écrit 2x, c'est sous-entendu 2 fois x. Donc, moi, mon but pour isoler mon x, eh c'est de me débarrasser du fois 2. Et comment on va faire pour se débarrasser du fois 2 On va faire l'opération inverse d'un multiplié par 2. On va diviser. Par 2 des deux côtés. Et donc si on prend deux fois x, je le fais à part au brouillon, et que je divise par 2, 2x divisé par 2, et eh bien il reste x. Et donc à gauche, ici, il me reste x, et à droite, ça me fait moins 5 divisé par 2, autrement dit, moins 5 demi. Maintenant, on va résoudre la deuxième équation, toujours pareil, on va isoler le x. Donc on n'oublie pas de rajouter le ou, et pour isoler, le x, et eh bien déjà je vais me débarrasser du 8. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais enlever 8 des deux côtés. Et donc si j'enlève 8 à gauche, 8 moins 8, ça fait 0. Et donc il me reste moins 6x et à droite. 0 moins 8, ça me fait moins 8. Et maintenant, pour isoler mon x, toujours pareil ici, il y a un multiplié qui est sous-entendu, et donc je vais diviser des deux côtés par moins 6. Moins 6x divisé par moins 6, il me reste x. À gauche et à droite, ça me fait moins 8 sur moins 6. Et ensuite, on arrange. Moins divisé par moins, c'est la règle des signes. Et que ce soit une division ou une multiplication, en termes de signes, ça ne change rien. Donc moins divisé par moins, c'est la même chose que moins fois moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Et donc le résultat, il va être positif. Et donc ça fait 8 sixièmes. Et là, on peut encore arranger parce que 8, c'est divisible par 2. Et 6 aussi. Donc je prends 8 et je le divise. Par 2, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et pour ne rien changer, il faut diviser par 2 en bas. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et voilà, on a fini de simplifier. Et donc, on a démontré que notre grosse équation de départ, elle a deux solutions qui sont moins 5 demi et 4 tiers. Et on fait une phrase de conclusion. Il y a deux façons de le rédiger. Première façon, vous écrivez que les solutions de cette équation sont moins 5 demi. Et 4 tiers. Et plus mathématiquement, on peut écrire que l'ensemble des solutions est. Et on écrit entre accolades la liste des solutions. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors surtout retenez la méthode. Quand on ne peut pas isoler l'inconnu comme ici, eh bien on procède en trois étapes. Première étape, on se ramène à zéro. Deuxième étape, on factorise la partie gauche. Et troisième étape, on applique la règle du produit nul qui permet de casser la grosse équation en deux petites équations beaucoup plus simples. À résoudre donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la partager et à la liker